Bonsoir. Installe-toi. Oui, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Eh bien oui, tout le monde a besoin de vacances. Oui, bon, certes, j'ai eu de très longues vacances. Bah écoute, c'est l'éducation nationale, hein. Bref, nous voilà à la rentrée. Ok. Oui, effectivement, je suis là pour te faire un petit check-up. Pour voir si tout va bien, pour que tu puisses rentrer dans de bonnes conditions à l'école, au travail, où tu veux. Ok? Oui, ça va être un examen basique. Ne t'inquiète pas. Après tout, je suis pas vraiment médecin. Ah si, mais bref, c'est une longue histoire, j'ai plus trop le droit d'exercer. Mais du coup, t'inquiète pas, tout va bien, je vais rien faire de trop invasif. Ça te va? Oui, donc bien sûr, comme dans tout check-up, hein, on va vérifier tes oreilles, ta vue, toutes ces choses-là. Ok. Alors, c'est pas la peine de mytho, on n'est pas à l'armée, hein. Oui, tu seras jamais réformé. Ça, c'est. Non. Voilà. Installe-toi, t'inquiète pas, je vais juste mettre tes gants. Parce que je ne sais pas où tu as traîné pendant tes vacances. Tout cas, j'espère que tu as passé un très bon moment et que tout va bien pour toi. Bah oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère qu'il n'y a pas trop de changements et s'il y a des changements, eh bien, qu'ils sont bons. Tout de suite par tes constantes avec une petite prise de température. Ne t'inquiète pas, voilà, on ne fait pas l'ancienne ici. Je sais qu'il y en a qui préfèrent, mais bon, je préfère voir mes gens de face, pas de dos. Allez. Allez. Ok, tout va bien. On va regarder de l'autre côté au cas où. Si la fièvre existe que d'un seul côté. T'appelles une monofièvre, tout simplement. Bouge pas. On est tout bon. Donc déjà, a priori, tu ne t'es pas mangé une fièvre un peu tropicale, etc. Alors, détends-toi. On va vérifier un petit peu tes sinus. Pas de débouché. Ok. D'otite, de choses comme ça. Pas de douleur particulière. De ne pas manger de sardines en conserve récemment. Très bien. Oui, c'est l'ARS hein, qui nous demande de justement vérifier auprès de vous. Fait pas mal quand j'appuie ici. Arrête du nez. Tu as de jolies couleurs en tout cas.
D'accord. Va regarder un peu ta gorge. Ouvre la bouche. Ok. Je vais appuyer sur ta langue. Voilà. Ok. Est-ce que tu fumes? Et l'apéro, ça va? C'est comment? Team pastis ou team bière? Ah non, là c'est juste pour savoir, hein. Ça n'a absolument aucun sens médical. L'alcool reste de l'alcool, attention, hein. Tout va très bien. Ok. On va regarder un petit peu à ta racine des cheveux. Voir s'il n'y a pas déjà des petits poux. Bah oui, ça commence, hein. D'accord. Tout simplement, vraiment, ne t'inquiète pas, je vais venir. Repousser un petit peu tes mèches. Et je vais regarder donc à ta racine avec un petit peignard tout simplement. Ok. Et derrière tes oreilles, ça se voit assez bien. On sépare. Voilà. Côté. Non, ça a l'air d'aller. Et au niveau des oreilles. On y met un petit peu des petits cheveux sur le côté. Ça ne te gratte pas. Il n'y a aucune honte à l'avoir, hein, des poux. Tout le monde en a au moins une fois dans sa vie. Et ceux qui disent que ce n'est pas vrai, c'est des mythos. Allez. Tout va bien de ce côté-là. Très bien. Ensuite, ce que nous allons faire. On va s'occuper de tes yeux. On va juste vérifier que tu vois à peu près. Au moins le tableau. Je ne suis pas ophtalmo. On va déjà mettre un petit collyre. Ne t'inquiète pas, ce sont des larmes artificielles. Comme ça, on est sûr que ta vue n'est pas gênée par une éventuelle sécheresse oculaire. Tout simplement. Tu n'as pas d'allergie. Oui, c'est vrai que j'aurais dû demander avant. C'est peut-être pour ça que du coup, on m'a retiré le droit. Cette petite chose, petite pipette,
Et on vient gentiment. Je vais t'ouvrir l'œil. J'en ai mis sur mon gant. On recommence. Tu ne m'échappes pas. Ça va? Bon. Et de l'autre côté. Attention. Elle ne veut pas tomber. Voilà. Ok. Cligne. 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 Très bien. Alors, on va regarder les réflexes déjà pupillaires. Je vais hop, t'obstruer. Effectivement, oui. L'œil droit. Hop. Réflexe normal. Et l'œil gauche. Parfait. Très bien. On va vérifier maintenant ton champ visuel, ta vision périphérique. Oui, ça fait des paillettes. Allez, tu regardes au milieu. Voilà, tu suis. Tu suis toujours. Très bien. Tu fermes ton œil gauche. Allez. Bien sûr de l'œil droit. Si tu suis de l'œil gauche, tu verras pas les masses. Ok. Oui, tu me dis quand tu ne vois plus. Ok. Très bien. Et l'autre œil? Tu me dis toujours quand tu ne vois plus la boule. Très bien. Ok. On réessaye. Ok. Oui, c'est normal si tu louches. Ok, très bien. Tu l'as pas mal. Ok. Alors, hop. Voici effectivement les petites gouttes. Est-ce que tu sais lire? Ok. Non, il n'y a pas besoin d'avoir une vue d'aigle, hein. Ne t'inquiète pas. Très bien. Parfait. Pas de problème de grande sécheresse oculaire. Les gouttes t'ont fait du bien. Si c'est le cas, on pourra effectivement t'en prescrire. Nous allons maintenant s'occuper de ton audition. On va vérifier que tout va bien. Ok? Donc tu m'as dit pas d'otite. Pas de problème comme ça. Tu entends plutôt bien. Tu as fait des festivals.
avec des bouchons. On va vérifier ça. On va regarder si tes oreilles sont propres. Le cas échéant, on va les nettoyer un petit peu et après on va faire un petit test. Ok. Alors. Je vais venir ici avec ce petit auriculi. Et on va regarder dans ton oreille. Je ne te fais pas mal. Ok. Et on va gratter un peu. Non, ce n'est vraiment normal hein, qu'il y ait du cérumen. C'est ce qui protège ton oreille surtout. Tu ne te fais pas mal. Ok. De l'autre côté, on va changer un peu. Alors, oui, c'est comme une petite cuillère. Va doucement. Ok, bon. Tes oreilles me paraissent assez saines. Le tympan est visible. Ok, tu l'as pas mal dans la gorge. Ici, non, tout communique, hein, c'est ce qu'on appelle la sphère ORL. Ok, encore. Oui, il y a du passage en devant. L'infirmerie. Très bien. Ça me semble parfait. On va juste finir par un petit quelque chose. C'est obligatoire. Je vais remettre des gants afin que l'échantillon ne soit pas souillé. Et on va faire un petit test. Si je te demande pour les festivals, c'est pas pour rien. Oui, on va faire un test stupéfiant. C'est obligatoire, je suis désolée.
Ça ne fera pas mal. Ça ne sera pas dans le lit. T'inquiète pas, c'est pas un test anti-Covid. Ce petit écouvillon est en mousse. Ne t'inquiète pas. Voilà. Je vais venir dans ta bouche. D'accord ? Je vais racler comme ça. Et puis également, je vais prendre un petit peu de ta sueur. Comme ça, on aura deux versions. Alors, ouvre la bouche. Voilà. Tu vois, ça te fait pas mal, hein? Juste sur les bords, sur la muqueuse. Ça part au labo. Voilà. Et sur ton visage, sur ta sueur. C'est comme une éponge, un buvard. Va venir tamponner. Racine des cheveux. Et voilà. Et je te laisse vraiment tranquille cette fois-ci. Bah écoute, pour moi, tout va très bien. T'es apte au service, comme on dit. Pour la rentrée. J'espère que tu n'es pas trop stressée. Que ça se passera très très bien. Et puis j'espère te revoir surtout très bientôt.